comment sortir de la map et s'extraire dans Dark and Darker. Take this morphine. Why? I want to give you stuff and you try to kill me. Oh la tête. Oh la deuxième tête. Ouf. Pour sortir de la map, il y a actuellement 5 possibilités. Chacune de ces possibilités a différentes utilisations. Certaines ne pourront être utilisées qu'une seule fois, d'autres plusieurs, certaines en solo, d'autres en équipe. La première, c'est la corde. Elle est symbolisée par une petite corde sur ta minimap. Tu vas pouvoir l'utiliser qu'une seule fois et elle ne pourra être empruntée que par un seul joueur. Une corde va descendre au bout d'un certain moment sur la map. Tu vas devoir te mettre juste en face, appuyer sur F et sortir de la map. Alors attention, parce que quand tu es sur cette corde, tu peux quand même prendre des dégâts. Donc si tu as des ennemis autour, ils peuvent potentiellement te tuer. Cette extraction, elle est actuellement présente sur la map Gobelin et également sur la version Enfer de la map de glace. Je te montrerai après comment y aller. Deuxième extraction solo, avec le même principe, qui va pouvoir être ouverte au bout d'un certain moment sur la map, c'est celle symbolisée par le petit escalier sur la minimap. Une grille va s'ouvrir avec des torches bleues sur les côtés, tu vas pouvoir emprunter cette grille pour sortir de la map. Alors attention, si tu vois que les torches sont éteintes et que la grille est ouverte, ça veut dire qu'elle a déjà été empruntée. Donc quand t'es là, là t'as l'extraction, tu peux la prendre, et là le mec il vient de la prendre devant moi, donc tu peux pas la prendre. Et les petits rochers. Ce type d'extraction, il est présent sur les trois maps, donc la map Gobelin, la map de glace et également les cryptes. C'est actuellement l'extraction la plus commune et généralement la plus utilisée. Troisième extraction possible, cette fois-ci en équipe, donc tu peux y aller à deux, à trois, tu peux même y aller avec des ennemis si ça te fait plaisir. C'est une sorte d'ascenseur qui est symbolisé par un petit carré avec deux flèches dedans. Yeah, this is it, my friend! Let's go, my friend! Ah, yeah, my friend, nice! Les mecs, on fait quoi? On le tue ou pas? Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, est-ce qu'on le tue? Plus ça, si on le tue! Vite! Dépêchez-vous de répondre! Vite! Non, on le tue pas! Tais-toi, vite! J'hésite! Non, ils veulent pas que je le tue. Allez, c'est notre... Non, c'est notre belle histoire. Yeah, good job, Baflin, bye bye! Bye bye, bye bye! Il est présent sur la map de glace et également sur la map Gobelin, mais attention, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors que sur la map de glace, il va s'ouvrir à un certain timing, tu vas pouvoir l'utiliser une seule et unique fois. A contrario, sur la map Gobelin, tu vas pouvoir l'utiliser à peu près toutes les 2 minutes. Donc il va descendre, tu vas pouvoir le prendre, remonter, et ça à l'infini jusqu'à la fin de la map. Donc en gros, sur la map Gobelin, même si quelqu'un l'a déjà pris, tu pourras quand même le prendre. Par contre, sur la map de glace, s'il a été pris, et ben c'est trop tard, c'est fini. Quatrième extraction possible, celle-là, elle est uniquement présente sur la map de glace, c'est une extraction par radeau. Donc c'est symbolisé par un petit bateau bleu sur ta minimap. Cette extraction, un peu comme le même principe de celle de la map Gobelin, tu vas pouvoir la prendre de nombreuses fois et tu peux la prendre à plusieurs. Donc même si quelqu'un l'a déjà pris avant, elle va continuer de pop jusqu'à la fin de la map. Dernière extraction possible avant de te montrer comment aller plus profond dans la map pour pouvoir accéder à une zone différente. Cette extraction, c'est la classique, c'est la première qui était sortie sur le jeu, c'est les portails d'extraction. Alors qu'avant ils spawnaient un petit peu aléatoirement partout, maintenant c'est différent, tu vas quand tu te promènes sur la map voir au sol une espèce de stèle bleue. Là, là, ça c'est un portail. Là, t'as trois portails qui vont sortir du sol, fiu, et tu vas pouvoir les prendre, tu vas pouvoir t'extraire avec ces portails-là. Dis-toi simplement que vers la fin de la partie, c'est à cet endroit-là que trois portails bleus vont sortir et tu vas pouvoir les prendre pour t'extraire. Bon, ce que je t'ai expliqué avant, c'est si tu veux sortir de la map. Mais sache une chose, c'est que dans la map de glace et également la crypte, il y a une deuxième partie. Une sous-partie de la map. Alors je vais t'expliquer comment y aller. Tu verras des monstres différents, potentiellement du meilleur stuff et également des boss. Pour accéder à la map Enfer de la crypte, tu vas devoir emprunter un petit escalier, cette fois-ci pas bleu mais rouge. Alors même principe que les autres, ils vont être ouverts à partir d'un certain moment dans la map et tu vas pouvoir par contre les emprunter à plusieurs. Donc ça veut dire que si toi tu le prends, ta team va pouvoir te suivre. Bon évidemment si ta team te suit, hein, les ennemis pourront également te suivre. Une fois que tu seras dans cette partie de la map, tu vas pouvoir looter, tuer des mobs, peut-être des joueurs, des boss, etc. Enfin bref, tu fais ta vie. Et pour en sortir, il faudra que tu sortes avec un petit portail bleu. Donc je t'ai expliqué tout à l'heure comment les trouver. D'ailleurs, dans cette partie de la map, il y a le big boss. Je t'ai fait un petit tuto, notamment sur la liche qui est en ligne sur ma chaîne. N'hésite pas à aller voir et normalement, les prochains vont arriver prochainement. Pour la map de glace, c'est la nouveauté de ce patch. Avant, il n'y avait pas de version enfer, mais ils en ont rajouté une et franchement, elle vaut le détour. Elle est vraiment sympathique. Alors comment y accéder? C'est assez particulier. Il va falloir que tu sautes dans le vide. Ouais, comme si tu te suicidais, sauf qu'en fait, tu vas atterrir dans la map. Mais attention, il faut que tu aies le bon timing. Donc je vais te montrer comment faire, parce que si tu sautes et que tu n'as pas le timing, eh bah, tu vas vraiment mourir. Je vais te faire péter par derrière. Oh non! J'ai glissé, chef. My friend is dead! He's dead! C'est terrible. Regarde, la death cam est incroyable. Oh! Oh! Oh!
Tu vas devoir te rendre sur la map de glace à certains endroits précis où il y a du vide. Attendre vers la fin de la partie, tu vas voir que le sol en dessous va s'illuminer en rouge. Une fois que tu vois que le fond est en rouge, tu peux sauter et tu vas atterrir dans la version enfer de la map de glace. Pour t'extraire de cette version enfer, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu chopes une corde, soit tu chopes un portail bleu.